Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. On continue la série des RTX 3080 Ti et cette fois-ci on s'attaque à la Zotac Amp Holo Black, une carte qui se retrouve dans les alentours de 2449 euros sur le marché et qui va proposer 10 752 CUDA Core, 336 Tensor Core, 82 RT Core et aussi 112 ROPS. On a aussi le droit à 24 Go de GDDR6X compatible ECC, c'est-à-dire qu'elle est apte à faire du calcul scientifique. On est sur une fréquence de 1313 MHz avec un bus en 384 bits et une bande passante à... 1008 gigabits seconde. Le processeur graphique est gravé en 8 nanomètres, propose 23 milliards de transistors et propose une base, enfin une fréquence base de 1560 MHz avec un boost pour ce modèle à 1890 MHz. Alors bien ou pas, ça vous avez le test écrit sur cocotland.com et en attendant, on laisse place à la présentation. Sur la partie carénage de cette carte, on peut voir différents éléments, c'est-à-dire du carénage gris très foncé, une sorte de losange au milieu et s'encadre trois ventilateurs noirs avec les logos en chromé de chez Zotac. On a aussi une bande verte violet et qui va lâcher du RGB une fois la carte graphique allumée. L'ensemble est propre et bien fini, les plastiques. C'est dans l'ensemble, le carénage est en plastique, mais les plastiques semblent solides. Donc là, on est quand même sur une carte euh, qui propose de bonnes finitions. Sur la partie connectique d'alimentation, on a du plastique noir, on a cette bande verte et violette qui lâche aussi du RGB. De ce côté-ci, on a le port pour le NVIDIA Link, puisque cette carte graphique est compatible aussi multi-GPU. Donc ça, c'est pratique pour les professionnels. Et on a aussi le nouveau. 12 pins plus 4 pins d'alimentation. On a bien sûr un adaptateur qui va vers du 3x8 pins. Au milieu, on a le GeForce RTX marqué en gris. Ce sera tout pour cette partie-là. Ça reste sobre et simple. Désolé de vous présenter la backplate à l'envers, mais dans l'autre sens, la carte avait une tendance à tomber et on n'a pas envie de faire tomber un bloc à 2449 euros. Comprenez-nous. Donc, backplate, certes, à l'envers, mais on peut quand même voir, elle est en métal, noir mat. On a des bandes blanches qui vont lâcher du RGB et le GeForce RTX en gris ici et Live2Game en brillant. On a le support en chromé ici, le support du ventirad et le démontage va être simple. On commence par les vis de la backplate et les vis ici. Quelques vis sur le côté et on va pouvoir enlever le ventirad du PCB. Le reste de la backplate va être démontable avec des vis côté PCB et dont on peut voir les, les ports ici. Pour continuer dans la présentation de, de cette carte graphique, on a quand même ce petit côté-ci qui est quand même assez comique. Hein. On peut noter dans les caractéristiques de la carte de slot, mais comme vous le voyez, ça dépasse allègrement. De toute façon, les 3090 TI chauffent énormément, donc, ils, enfin, demandent beaucoup de puissance et donc, du coup, ont besoin d'un énorme ventirad pour pouvoir être refroidi correctement. Ça ne veut pas dire qu'elle chauffe. On est sur, donc, une équerre de slot avec des events d'aération et trois display ports ainsi que un HDMI. Alors pour cette partie-ci, alors on n'a pas forcément grand chose à dire. On a un débordement du carénage avec une fente au milieu où on peut voir le ventirad et on peut voir quelques caloducs, mais ce sera tout. On n'a pas forcément euh, beaucoup d'infos à donner sur ce côté-ci de la carte. Et enfin, pour terminer la vidéo de présentation de cette Zotac RTX 3090 Ti, on a la, part, la face PC Express avec un débordement du carénage. On peut voir l'énorme ventirade, on peut voir le PC Express et aussi on peut voir deux prises pour la ventilation. Et ça, ça va être assez pratique de pouvoir l'atteindre très rapidement et pouvoir la débrancher normalement comme ça sans avoir à démonter la carte. Et donc, du coup, ça facilite le démontage. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cette carte graphique. Donc, une carte graphique qui propose les performances d'une RTX 3090 Ti. Donc, une carte qui, à cause de son tarif, n'apporte que peu d'intérêt pour le joueur pur et dur. Par contre, pour les semi-pro, on a quand même beaucoup d'avantages. Les 24 Go de GDDR6X nous permettent d'atteindre euh, des, des vitesses de traitement sous Blender qui sont excellentes. On peut aussi avoir des actions sous Blender exemple que qu'une 3080 TI ne peut pas faire et on a aussi de la mémoire en ECC donc du coup apte à des calculs scientifiques donc c'est vraiment une carte qui, qui va attirer surtout le semi pro. Au niveau des performances le gap n'est pas énorme par rapport à une 3090 mais supérieur quand même donc c'est pas forcément intéressant de partir d'une 3090 pour arriver sur une 3090 TI mais euh ça reste une carte qui est quand même extrêmement performante. Au niveau de ce modèle-ci, c'est un modèle qui est plutôt bien fini. Il a beaucoup de RGB aussi, pour ceux qui aiment les lumières. Mais euh, on a quand même un point noir c'est que la carte chante. Elle est extrêmement bruyante en charge. Alors, on a des très bonnes températures on est à moins de 70 degrés en charge, mais euh, au détriment des nuisances sonores. Et pour les amoureux du silence, on vous conseille sur cette carte de gérer la courbe de ventilation tout en rognant sur justement la température. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A très bientôt